Bienvenue dans FriWaClick, un mélange d'émissions. Cette fois-ci, c'est un mélange d'émissions, comme je l'ai dit précédemment, entre Free Radio, qui est... Mélange malaise. Ce n'est pas tout pas mal. Les couilles de mon ami. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Génial. Question is... Tu fais du sport? Même pas. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Free Radio, la radio libre présentée par Fabien et ses chroniqueurs. Une émission qui parle de tout. Foot, NBA... Infos insolites, phénomènes de société et plus encore. Bienvenue dans la Free Radio. Il y a déjà quelque chose à faire. Vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça, ça aide à la booster, comme on dit. Free Radio est une émission animée par... Fabien. Yes, c'est moi, Fabien. Super, donc, nickel. Voilà. Ensuite, nous avons aussi avec nous Nawak Radio. Qui est. Et mesdames et messieurs, c'est votre hôtesse qui vous parle. Nous déplorons les désagréments que les secousses inopinées de l'appareil auraient pu vous causer et qui sont dues aux inévitables douleurs que nous rencontrons. Nous vous demandons de ne pas vous en inquiéter et de profiter agréablement de votre voyage. À propos, y aurait-il une personne à bord qui aurait son brevet de pilote? Je sais pas, moi, n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi! Descends de ce sphinx! Alors là, je ne sais plus quoi te dire, t'en fais n'importe quoi. Sombre dans le burlesque. Comment? J'écris n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'en ai ma claque, madame Berger. Nawak Radio! Nawak Radio! Nawak Radio! Nawak Radio! Nawak Radio! Vous êtes ici dans le monde du n'importe quoi. Je vous rassure, nous ne sommes pas dans un avion. Ensuite, Nawak Radio est animé par... Bonjour, c'est moi, et Mathis, avec mon compère... Damien, qui ouais. C'est lui. Bonjour. Yes, j'ai un wifi. Ils se sont suqués. C'est très radiophonique. Alors avec nous, en plus, nous avons Double Clic. Double cheeseburger, double vitrage, doublement fun, ça se passe comme ça dans Double Clic. Alors, comme j'ai dit précédemment, Double Clic, enfin, vous le savez parce que vous nous écoutez à chaque fois, c'est animé par Eléa Robert, Eléa, ainsi que Mathieu. Moi. Et moi. Et bien sûr, Evan et Elise ne sont pas là. Bah, c'est... Ah si, bah, moi c'est Lilou. Je collectionne des pins. Voilà. Tous les micros sont allumés ou pas? Oui, mais oui. En théorie. Oui, bah, oh, c'est amusant tout ça. Ok. Alors, FriWaClick, vous connaissez? On a un générique pour FriWaClick? Non. Super. Bon, imaginez qu'il y a un générique là maintenant. Le vois. Générique de FriWaClick yes. C'est le... sympathique, on le sait. Waouh. Waouh. Ok. Alors, étant donné que c'est une émission, nous allons commencer par. On fait le sommaire faire un peut-être. Tour de table. Oh, d'accord. Moi aussi. Mais... Moi, à chaque fois, je me fais couper en mode. Ouais, désolé, ouais, mais on est seul. Pas très sympa pour les Alors, en tour de table, je vous propose d'écouter Eléa qui va se présenter. Ouais, pas totalement, les gens ont pas forcément compris, tu vois. Les gens, ils nous écoutent pas, Eléa. Il y a un blanc, là. Ah, bon, ça va ? Ah, on commence par être en replay. Ok. Ça va être vraiment monté, cette émission, parce que là, franchement... Ouais, vraiment. Non, mais on part mal, après, ça va aller mieux, j'espère. On sent le travail. Ok, dans FriWaClick, qu'est-ce qu'il y a dans FriWaClick ? Nous avons, en première rubrique, des choses inutiles qui n'ont rien à voir sans présentées par Eléa. Bonjour, Eléa. Rebonjour, oui. Son micro ne fonctionne pas. C'est incroyable. C'est merveilleux. Attends, il est pas branché sur le 2. Ah, je peux parler maintenant. Pam. Ça fonctionne. Ou alors c'est ta voix qui marche pas. Rebonjour. Ah. Oui. Oh, allez, on a fait... oh là là. Yes. Désolé le monteur. Non, je veux monter cette émission. Attends, je voudrais monter avec toi. Je dis quand même. Ok. Bon, je disais donc. FriWaClick est une émission qui va se constituer de différentes rubriques, à commencer par des choses inutiles qui n'ont rien à voir ensemble, présentées par Eléa. Deuxième fois que tu le dis et rebonjour. Rebonjour.
Au pire, on fait pas du tout de montage, hein, comme allez, ça, c'est allez, rigolo. On passe à la suite. Yes. Ok, ensuite nous avons les gens intelligents présentés par... Moi, tout simplement. Voilà. Ok, super. Alors, on s'appelle Fabien pour ceux qui ne savent pas. Ouais, non, Fabien. Oui, moi c'est Fabien. On va avoir des gens intelligents, mais bizarrement, pas trop quand même. Genre nous. Modèle. Et vous verrez ça. Non, parce qu'après ça réduit notre écoute, tu vois. Il dit son truc, ouais, il dit son truc. Mais, ouais, pour pas trop nous ridiculiser, ouais. On va avoir des gens qui sont encore moins intelligents que nous. Oh, pff, c'est compliqué ça. T'inquiète pas, j'ai trouvé du lourd, tu verras. C'est une perle. Ok. Nicole Crème. Ok, ensuite nous avons une pause pub parce qu'on a besoin d'argent même s'il n'y a personne qui nous écoute. Et après la pause pub, nous avons les mots du jour, une rubrique présentée par Eléa, encore une fois, et Mathieu. Bonjour Mathieu, allez parle Mathieu. Bonjour. Bonjour. Ton micro il est pas allumé ou... Ouais, bon, imaginez qu'il parle. Ouais non, parle plus fort. Je crois que du coup il est un peu trop allumé là. Un peu trop allumé, ok super, tu continues à parler. Non mais c'est les réglages. Tu avais un truc à dire les gens sinon? Non mais c'est cool la vie parce que les tartiflettes c'est cool. Check. J'aime bien la vie. T'étais trop bien que check les gars. Poule. On continue ou pas? Vas-y. Ok. Alors après les mots du jour, nous avons la rubrique un héros, une histoire. Ah, c'est un héros, une histoire pour ceux qui savent. Un héros, une histoire. Ouais, un héros, une liaison. Ouais. Si vous êtes sur les français. Un héros, je sais pas, un héros. Un héros, une histoire présenté par votre fidèle présentateur Damien, de type à piquer des hannetons. C'est quelle rubrique? C'est une rubrique. C'est tout. Ça parle de quoi un héros, une histoire? En gros, je vais présenter un dessin animé des années 80. Oui. Et c'est tout. Tu dises pas c'est quoi comme dessin animé ou... Ah non, 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 je dis pas. Non. D'accord. Non, parce qu'après, s'ils teasent, moi je spoil, tu vois. Ok, alors ensuite, après cela, nous aurons une petite pause musicale pour qu'on aille boire du thé, tranquillement. Avec le petit doigt. Alors, en titre, dans la pause musicale, je vous spoil ou... Non, c'est la surprise. C'est la surprise. Si vous n'aimez pas, vous quittez l'émission, hein. Voilà. Alors après la pause musicale, bien sûr, nous avons l'histoire d'un jeu vidéo qui est présenté par... Mathis et Damien, ouais. Ouais, recheck. C'est le quatrième check depuis le début de l'émission. Et du coup, on a choisi aujourd'hui de faire une petite rétrospective de la série de jeux Pokémon. Parce que Pokémon, c'est quelque chose de très connu qui a bercé l'enfance de beaucoup de monde. Comme moi. Exactement, en même temps. Et donc, on avait envie de repasser un peu là-dessus. Nickel, nickel. Moi, ça m'énervait, je trouvais ça trop long. Non, bah, bon, on verra les débats après. Ouais, voilà. Allez. Ok. Après, il y aura ma rubrique, oui, la meilleure. Les coups de cœur de Lilou. Oh, la modestie. C'est faux. Oui, je sais. Alors, les coups de cœur de Lilou, en gros, c'est des coups de cœur de Lilou, simplement, parfois. Mais aujourd'hui, ce sera exceptionnel, il y aura un disliker. C'est-à-dire un truc que j'ai pas aimé, parce que parfois, j'aime pas des trucs. Ensuite, nous aurons... Quoi? Un peu comme tout le monde, comment il y a ça, des trucs que t'aimes ça, pas. Des gens normaux. De quoi parlez-vous? Après les coups de cœur de Lilou, nous aurons... Parle en face du micro! Oui, mais j'arrive pas à lire, là, ta tête qui bloque le tableau, voilà. Alors après les coups de cœur de Lilou, nous aurons les jeux de Mathis. Oui, ah, bah, c'est ça. Il fallait pas que je bouge ma tête. Non, on va faire un petit quiz du coup, voilà. Allez. Pourquoi ça s'appelle les jeux de Mathis alors que c'est un quiz? Bah, parce qu'en fait, ça vient de notre ancienne émission Network Radio dans laquelle je proposais un jeu différent par chaque... Ouais. Par chaque émission différente. Et du coup, bah, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un quiz. Mais voilà. Pour réutiliser les jeux. Tu pouvais pas juste changer le nom. Bah ouais, mais on avait pas de jingle sinon. Allez. T'as qu'à faire un jingle avec ta bouche, hein. Comme tout c'est le monde. C'est le jeu de Mathis. Allez. Nice. Ok. Et pour avant finir, nous aurons la rubrique au top présentée par Mathieu. C'est moi. Oui, c'est bien Mathieu. Oui, on c'est te lui. Connaît. Tout le monde le sait que c'est encore moi. C'est quoi au top, Mathieu? Il respire. Donc nous autres... Allez, on passe à la suite du coup. Non, vraiment, tu veux que je réveille au top en fait. Il respire. Rien, simplement. Des exercices de méditation non, quotidien. C'est de l'ASMR, tu vois. C'est ça, ça va se transformer en ASMR. Bon, au pire, essaye de deviner ce que c'est au top par rapport au titre. Voilà. On le dira. C'est un documentaire sur les tortues. Nickel. Et pour finir, nous aurons le blind test. En gros, qu'est-ce que c'est un blind test? Vous savez ce que c'est à part si vous vivez dans une grotte. Nickel. Alors, nous allons commencer. Vous êtes prêts? Avons-nous un jingle? On va commencer par quoi? 10 choses inutiles qui n'ont rien à voir ensemble. 3, 2, 1, ouais!